Tanguy et Laverdure sont envoyés en Belgique pour étudier les problèmes opérationnels que va poser l'utilisation des nouveaux Mirage 5 par la force aérienne belge. Arrête, c'est la douane belge qu'on a aux fesses. Justement. Comment justement ? Justement. Qu'est-ce que c'est que cette manière de conduire? Vous êtes fou? Excusez-moi, on était un peu pressés. De plus, cette route est interdite au trafic. Vous n'avez pas vu les panneaux? Allez, vos papiers. Ouais, les panneaux? Quels panneaux? T'as vu les panneaux, toi? Non, moi je dormais. Mais... Ah ouais, je dormais. C'est à vous, ça? Allez, oui. Ouvrez. Ah, pardon. Merci. Vous croyez que c'est vraiment nécessaire? Ouvrez. Vous savez, c'est... tout ça, c'est mes petits secrets. Mon petit linge de corps, tout ça, mes chemises, mes chaussettes, tout. Vraiment, c'est... Eh ben, mon cochon. Et vous êtes représentant en parfum? Non, non, je suis pilote de chasse. Oui, Oh, pardon, excusez-moi, monsieur le douanier. Oui, monsieur le douanier, on est chargé d'étudier sur place les normes d'utilisation des mirages... Oui, les mirages, les avions que la France a vendus à la Belgique. Voilà. Et ça? Oh, c'est joli. Ça, oh, ça, c'est de... ça vient de tout, c'est des babioles. Petite babiole. Disons, mais qui t'espère fourguer tout ça? Ah, aux filles de Lonzé. Les filles de? Les filles de Lonzé. Tu te rappelles des Cruchets? Elle est venue en stage à Lonzé. Ah, je comprends pourquoi, entre les deux missions qu'on nous avait données à choisir, elle a choisi Lonzé. Hein? Il paraît que Lonzé, c'est un vrai paradis. Il y a de la louloute de rêve ici. On va bien s'amuser. Oui. Je t'ai bien eu. Hein? Oh, c'est que Cruchet m'a donné son carnet. Un carnet d'adresse, il paraît que c'est... Oui. Oh, c'est joli aussi. Et ça? Ah bah c'est la même chose que ce que vous m'avez montré tout à l'heure. C'est une entrée en matière, un placement. Allez, vous pouvez aller. C'est ça, Lonzé? Eh bah dites donc, on m'avait dépeint votre patelin comme un paradis terrestre. On s'est bien foutu de vous. Le lieutenant Tanguy était mieux inspiré en choisissant d'aller à la base de Beauvchain. C'est sûrement plus gai là-bas. Ah oui, en attendant, ici ça a l'air sinistre. Heureusement qu'il y a les pépés. Quel pépé? Bon, on m'a dit que de toute la Belgique... c'est Lonzé qui possède la plus forte densité de jolies filles au mètre carré. Oh, ça serait depuis le temps que je suis là. La fiesta ici. La fête de l'escadrille. Vous ne pouvez pas tomber mieux pour votre installation ici. Exceptionnellement, les bobonnes sont présentes. Attention à moi, continuez. Je vous amenais simplement le lieutenant Tanguy du CV d'Ist. Ah, Knop ! Le major Knop, le lieutenant Tanguy. C'est le major qui vous prend en charge dans son escadrille. Celle qui a pour emblème Ambiorix. Ambiorix. Un cousin de Vercingétorix et de votre Astérix, d'ailleurs. Un Gaulois qui a donné pas mal de fil à retordre à César. Ça vous sera payé de connaître ça. Ambiorix m'a semblé plus indiqué pour vous que le Goudendak de l'autre escadrille. Juliette Fléac, oui. Oh, excusez-moi, mon père, excusez-moi. Je vous demande pardon. Vous connaissez une Odette Mélier? Non, je connais pas. Ah bon. Et une... attendez. Maryse van den Strijt. Oh. Bon, voyons, c'est pas possible. Cruchet a pas pu se foutre de ma gueule à ce point-là, c'est pas possible. Mais vous avez essayé tous vos numéros de téléphone. Oui. Le seul qui correspond encore à quelque chose, c'est celui du curé. Alors? Vous savez combien j'ai payé ce carnet? 2000 balles! 2000 balles! C'est vous qui embrassez le vainqueur, là. Ah non. Comment? Ah non. Mais pas les pilotes à la myrtille? J'aime bien les pilotes, mais pas la myrtille. Ah, moi, j'ai fait mes chances. Là. Qui sait? Dites-moi, vous êtes mariée? Oui, fiancée. Je proclame vainqueur de notre concours de mangeurs de tarte aux myrtilles
le lieutenant Verbeek. Ouais. Et je suis heureux de lui remettre son prix. Le prix, s'il vous plaît. Une superbe roue de charrette. Une superbe roue de charrette au myrtille que le vainqueur va se faire un plaisir de dévorer sous vos yeux. Non, non. Eh bien, voici nos montures. Jolie bête. Vous avez vu la contre-appontage? Nous n'avons pas de barrière de sécurité pour arrêter les avions en difficulté, mais un câble tendu en bout de piste, comme sur les porte-avions. C'est efficace? Absolument. Vous avez vu? Un vrai rasoir, hein? Il y va? Allons-y. Voilà. Salut. Bonjour. Hé, hey, chevalier, vos éperons! Avec ça, vos pieds seraient immobilisés en cas d'éjection. Ça éviterait l'écartèlement. Mais ça marche très bien. Vous vous débrouillez comme un chef. Vous savez, je commence à collectionner les heures de réacteur. Sur tous les types d'avions. Et surtout la type de fille, non? Alors tu veux pas me dire où tu étais hier soir? Ça te préoccupe tellement. Oui. Bonjour Suzy, comment t'as-tu? Faut que je parte, Michel. Si tu veux, on peut se voir dimanche. Non, bah reste. C'est moi qui vais partir. Tu veux que je vienne te chercher dimanche à 10h? D'accord. Ok. Bonjour. Bonsoir, Suzy. Bonsoir. Toi, tu ne manques pas de souffle. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce que va dire Roger quand il rentrera? D'abord, je dois savoir quand Roger va rentrer. Ça fait deux dimanches qu'il ne vient pas. Et tu l'aimes, non? Oui. Enfin, je sais plus. Depuis qu'il s'entraîne pour ce meeting aérien, je ne compte absolument plus. Oh, bonjour, 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 bonjour. Laisse tomber ce français. Pourquoi? Si Roger tient à moi, la jalousie lui ouvrira les yeux. Et puis Tanguy, il n'est pas moi. Impeccable, Tanguy. Vous n'avez plus besoin de moi, dorénavant vous partez seul. Merci. Ah ben dites donc, c'est pas mal non plus, ça. C'est Derwine. Il est en train de finir le programme de voltige pour notre prochain meeting national. C'est notre grand tasse, hein. Comment ça se fait que je l'ai pas vu au dispersal encore? Oh, il se ferait sortir sous les huées, c'est le caïd de notre escadrille. Ah, ah. Oh là là, ce profond travaille comme un dieu. Ouais, c'est du beau boulot. J'aimerais bien lui dire. Faites ça en douce, alors. Sinon, toute l'escadrille vous mettra à l'amende d'un tonneau de bière pour haute trahison. Capitaine Terbagne? Oui. Bonjour, lieutenant Tanguy. Je vous ai aperçu, là. Bravo, j'ai apprécié. Très beau boulot. Pas mal pour un petit Belge, hein? Allez, allez, c'était teuf, hein? Pareil que vous êtes vous aussi très fort. Faudra montrer ça un jour. Oui, quand vous voudrez, enfin. Quand j'aurai le 104 parfaitement en main. Ah bon? Très bon boulot, bravo. Oui, merci.
C'est fort, le français. En tout cas, il en veut. Hé, hey, Roger, t'as vu? T'as un concurrent sérieux. Quel craque, ce type. Ben, les autres ont dû vachement l'exciter. Ils en ont plein la gueule, de Tanguy. Ils vont sûrement te faire mousser avec lui. Tant mieux, ça mettra un peu d'animation. Dis, j'espère que tu vas le moucher, ce mène. La réputation de l'escadrille est en jeu. Ils se foutent déjà assez de notre tête comme ça. Ah oui, et pourquoi, s'il vous plaît? Et ils disent que tu t'es laissé piquer Nathalie. Sans rien faire. Toi, le grand Terwijn. Le bourreau des cœurs du Brabant wallon. Imbécile. Alors, toujours? Tu sais, les autres ont poussé Tanguy à essayer le spécial Terwijn. Et alors, c'est pas breveté? Non, bien sûr. Avec un peu d'estomac et d'entraînement, n'importe qui peut le faire. Seulement, il y a la manière. Bonjour. Bonjour. Je peux vous dire de mieux? Allez-y, appelez-moi Roger, comme tout le monde. C'est personnel. Moi, vous savez, je n'ai pas de secret pour mes pilotes. Il s'agit de Nathalie. Quoi, Nathalie? Je voudrais une explication avec vous, parce que je crois que j'ai un peu piétiné vos plates-bandes, sans le savoir. Pas la peine d'en faire un vol ici, la chasse est libre, que le meilleur gagne. Pourtant, on m'avait dit que... On a eu tort. Pour moi, les filles, c'est du folklore. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon travail. Je reconnais bien volontiers que je suis moins fort que vous pour piloter les demoiselles autour des tabourets de bar. Pour ça, faut dire qu'on se retourne plus facilement au Plumard qu'en rase-motte. C'est un défi? Une simple constatation. On ne peut pas en même temps épater les louloutes avec le récit de ses exploits et les réaliser. Salut. Pas vrai, Roger? En vol, Tanguy peut vous rendre des points à tout ça, je vous le garantis. Oh, du calme. D'abord qu'il soit en forme. Tiens, ouais. Moi, je parie tout de suite sur Tanguy. Une douffe au champagne pour tout le monde, si je peux. Ah, Roger, tu ne peux pas laisser passer ça. Alors, l'honneur de l'escadrille est en jeu maintenant. Eh bien oui, et puis je tiens à boire le champagne de ses attributs. Oh, doucement, les gars. Oui. Vous me faites beaucoup d'honneur, mais... Alors, le Gaulois, on déclare forfait? Non, pas du tout. Je n'aime pas beaucoup ce genre de concours. Mais, puisque je porte les couleurs d'Enviorix et qu'il paraît que l'honneur est en jeu... Je vous propose un match d'altitude. Le vainqueur sera celui qui grimpera le plus haut, à condition égale au départ. Comme vous voudrez. Ça paraît pas évident, votre truc. Ils ont le même avion, la même quantité de pétrole et chacun emmène un baromètre enregistreur. Le résultat sera indiscutable. C'est le meilleur pilote qui gagnera, il n'y a pas de question. Du champagne à volonté pour tout le monde et salut, sur mon compte. Gars, hein. Salut. Roger, quand vous voulez pour la revanche. Et sur votre terrain, là vous étiez peut-être un peu défavorisé, je suis spécialiste des vols en haute altitude. Je suis battu, un point c'est tout, vous avez été le plus fort. Ah, sans rancune. Attendez, rien n'est joué. Roger, je viens de faire vérifier votre zingue. La PC donnait près de 100 kilos de poussée de moins que celle de l'autre. Oh, quoi? Oui. On l'avait essayé, mais non, mon oeil. Mais bien sûr. Mais si, tenez, d'ailleurs, les mécanos peuvent témoigner, parole d'honneur. Ah bon. Voilà qui remet tout en question. Et si on en restait là? Sur un match nul, rien à faire. D'ailleurs, qui va payer le champagne? Comme vous voulez. Alors c'est vous qui avez le choix des armes. L'accro, Roger, l'accro. Ça ne se truque pas. Ah, oui. C'est l'homme qui compte. Je connais mieux le 104 que vous, Tanguy.
Je pars gagnant. Là, Roger, vous êtes peut-être un peu prétentieux, hein? Non? On verra ça. Allez, amenez du champagne. Mais entendu, vous n'envisagez pas sérieusement ce match avec Roger. C'est une gaminerie. Oui, je sais bien, mon major, mais enfin, maintenant, il est difficile de faire autrement. Les pilotes des deux escadrilles sont excités. C'est pas de raison pour prendre des risques. Surtout pas pour une histoire de fille. Ça n'est plus tellement une histoire de fille, maintenant. Nathalie, dans tout ça, n'a plus beaucoup d'importance. Non, il faut à Roger une revanche. Il lui faut une victoire en vol. Vous allez vous laisser battre? Non. Non, parce que ni lui ni ses copains n'accepteraient que je triche. Non, au contraire, je vais mettre le baguette. Je suis décidé à y aller. Bah, s'il gagne, il aura eu sa revanche, je sais plus. Espérons que ça se passera sans pépin. Il se défend le même. Tu vas l'avoir dur, Roger. Il va falloir que tu te défonces, hein. Oui. Tiens, ça y est, Roger décolle. Tanguy, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, dis donc, il va fort, Roger, hein? Jamais je l'ai vu déchaîner comme ça. Et maintenant, il va sûrement nous placer son spécial combat, vous allez voir. Sur 2000 mètres, un tonneau. Il touche et rebondit. Et un second tonneau à 300 à l'heure. Bon, Jeff, fonce à la tour. On le prévienne par radio qu'il a gagné. Oui. Vacciné, j'avoue que là, vous m'avez flanqué la trouille. J'ai mal à paix, j'ai fait l'idiot, et tout ça à cause de cette fille. Ah, Roger, il y a le colonel qui veut te parler dès que tu pourras. Bon, allez, moi j'ai un vol à faire maintenant. On se retrouve tous ce soir pour le champagne, ok? Ben, ah, oui, d'accord, pour le champagne, ce soir. Hein. Entrez. Je vous espérais plus tôt, Roger. J'ai dû régler quelques détails de service urgent, mon colonel. J'ai assisté à votre entraînement. C'était éblouissant. Félicitations. Merci. Mais vous avez pris des risques. Beaucoup trop. Que ça se soit passé au-dessus de la piste et sans danger pour personne, sauf vous, n'excuse rien. Vous ne m'aviez pas habitué à ça, Roger. Jamais jusqu'ici, vous n'aviez perdu votre sang-froid. Vous aviez la tête froide et des nerfs d'acier, mais pour la première fois, ils viennent de vous trahir. Et tout ça pour une gamine. N'essayez pas de me donner le change avec cette histoire de match entre vous et Tanguy, hein. No excuse. C'est peut-être la première fois que je me laisse entraîner, mon colonel, mais je vous jure que c'est la dernière. En attendant, pas question de vous laisser participer au meeting national, tant que je n'ai pas la conviction que vous avez totalement retrouvé votre sang-froid. Oh, mes sœurs, voilà des mois que je finis ma présentation. Van Wersch vous remplacera. Il est beaucoup moins fort que vous, mais je serai plus tranquille. Sœur, ce n'est pas possible. Possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faites dégager la piste, j'arrive immédiatement. C'est l'avion hollandais que nous attendons, il vient de se vomir. Le pilote s'est éjecté, mais son zinc s'est éparpillé sur toute la longueur de la piste. Nom de Dieu, nous avons plusieurs bacs en l'air. Foncez à la tour, qu'il dégage immédiatement vers Florène ou Québec. Yes, sir. Mission 948, Beauvachan Approach, you are diverted to Florène, over. Où en est-on? Les avions dégagent sur le Florène, mon capitaine. Mission 623, request landing instruction. 623, qui est-ce? Un lieutenant français. Tanguy? Oui. Celui-là, tu peux l'envoyer au diable. 623, technical QGO on the runway, you are diverted to Florène Airport. I repeat. Contact Florène Approach on channel 5. I am very short on petrol. 600 pounds left. Request emergency landing. Tanguy,
Et si Roger, que se passe-t-il? Je n'ai plus assez de pétrole pour faire Florène. Il faut que je me pose maintenant. Sam, la piste. Il y a des débris de métal éparpillés sur toute la longueur, sauf sur le 300 premier mètre. Il va falloir faire passer et repasser la balayeuse. Tanguy, il est absolument impossible de dégager la piste à temps. Gagnez le sud du terrain et éjectez-vous. Mais je ne peux pas bousiller cet avion. Ne discutez pas et sautez. Si vous étiez à ma place, vous sauteriez, vous? Roger! Répondez! Vous sauteriez? Tu m'as bien dit que les 300 premiers mètres de piste étaient intacts. Disons 250! Tanguy, votre seule chance serait de vous poser à vitesse minimum pour tenter d'accrocher le câble de freinage à l'envers, dès le contact avec le sol. Ce serait une première en Europe. Tanguy est bien foutu de la réussir. Pompiers, ambulance, vite! Plus que 400 livres de pétrole. Bon, Roger, j'y vais, hein? Tanguy, je vous avertis honnêtement. Il y a un risque et c'est sérieux. Mais ça ira si vous m'aidez. Ok. Descendez droit vers la 04. Plus question de circuit ni de break. Réduisez tout. Il faut que vous passiez le seuil de piste à 150 nœuds. Je vous aperçois. Vous êtes trop haut et trop vite. Réduisez tout. Tenez 150 nœuds. Ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Je vais décrocher. C'est votre seule chance. Ok, vous êtes juste au poil. Sortez votre crosse. Surveillez votre épicie et tenez votre vitesse. Et maintenant, plaquez-le. Allez, go! Plus loin, tu éclatais tes pneus sur des bouts d'acier comme des rasoirs. Match nul, Gaulois. Non, c'est toi qui as gagné, Roger. Et sur tous les tableaux. J'ai eu Nathalie au téléphone. Elle était morte de peur pour toi. Aucune femme ne vaut un bon verre de mort subite. Allez, vas-y, là. Elle t'attend. Hé, hey, Foulcan, espèce de slash, là. Slash? Espèce de vieille noire, hein. Et toi, comment ça va? Moi? Bon, ici c'est merveilleux. Un vrai paradis. Un rancard tous les soirs. Tu sais que c'est dommage? Il y a un copain qui voulait t'inviter à son mariage. Bah, je lui dirais que t'es trop occupé, qu'est-ce que tu veux? Bon, salut, hein? Michel, oh! Michel, attends! Écoute, je voulais te dire quelque chose. Je. Allô, passez-moi le lieutenant Tanguy. Je connais pas. Ah bon? Voulez-vous me passer le lieutenant Tanguy, s'il vous plaît? Vous faites erreur. Pourrais-je parler au lieutenant Tanguy, s'il vous plaît? Il n'est pas là. Il n'est pas là, bon. Le lieutenant Tanguy, s'il vous plaît? Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal.